Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi le 20h d'Al-Morabitoun pour vous informer sur les points saillants de l'actualité nationale, dont voici tout d'abord le menu qui le compose. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a présidé ce jeudi au Palais des Congrès à Nouakchott l'ouverture de la 37e conférence internationale sur la Sira du prophète, paix et salut sur lui. La conférence réunit un parterre de sommités religieuses qui plancheront deux jours sur la culture du dialogue, de la tolérance et contre l'extrémisme et le radicalisme. La population totale de la Mauritanie en 2023 est de 4 927 532 habitants, compris les étrangers selon les données principales extraites du recensement général de la population de l'habitat de 2024. Au terme de ce même conseil des ministres, le gouvernement, par la voix de son porte-parole Hussein Maddou, a prévenu que le gouvernement ne fera aucune concession à ceux qui se rendraient coupables de mauvaise gestion, de corruption et d'abus des deniers publics. Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle page d'information en Mauritanie. En français, pardon, le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a donc présidé ce jeudi au Palais des Congrès à Nouakchott l'ouverture de la 37e conférence internationale sur la Sira du prophète, paix et salut sur lui. Une conférence organisée cette année sous le thème « Fierté et sécurité de la Ouma entre gestion des désaccords et facteurs d'alliance ». En s'inspirant sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La conférence organisée par le Rassemblement culturel islamique réunit un parterre de leaders islamiques, de sommités religieuses, d'érudits, de chaires, de jurys consultes et de leaders d'opinion de différents pays du monde islamique, qui suivront pendant deux jours plusieurs exposés et interventions en rapport avec le thème de la conférence, en vue de promouvoir la culture du dialogue et de la tolérance et à lutter contre l'extrémisme et le radicalisme. Fofana Issa nous résume les échanges de cette première journée. En cette occasion, M. Hussein El-Meddou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement et ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel par intérim, a souhaité la bienvenue de la Mauritanie à tous les invités venus échanger sur les signes des enseignements de la Sira du prophète, paix et salut sur lui, et commémorer sa naissance, que la paix et la bénédiction soient également sur lui. Le ministre a souligné le rôle essentiel des érudits et des chefs des communautés pour combler le fossé et diffuser les valeurs de fraternité et de solidarité, mettant l'accent sur le rôle que continue de jouer la conférence pour inculquer les valeurs et les idéaux de l'islam, promouvoir la communication, l'amour et la coexistence entre les peuples islamiques et renforcer la cohésion sociale entre eux. Il a fait observer que les questions qui seront étudiées lors de la dite conférence revêtent une grande importance, notamment celles relatives aux médias en ligne et aux mécanismes de réconciliation et de règlement des conflits au sein de la Ouma islamique, particulièrement le contexte et les guerres et conflits dans le monde actuel, appelant à s'inspirer de la vie du prophète, paix et salut sur lui. Le président du Rassemblement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, M. Mohamed El-Hafed El-Nahoui, a remercié le président de la République pour l'intérêt qu'il porte le domaine, notamment son grand intérêt pour la Sira. Pour sa part, le président du Conseil international pour la tolérance et la paix, Ahmed bin Mohamed Jarwan, a lui déclaré que cette conférence abordera les thèmes et les questions les plus importantes auxquelles est confrontée la Ouma islamique tout entière, soulignant que le Conseil est prêt à coopérer avec toutes les instances et organisations pour propager la parole d'Allah, impulser une renaissance de la Ouma et diffuser et promouvoir l'esprit de tolérance et d'amour. Lui succédant, le représentant de l'Union islamique africaine, M. Mohamed Abdel Malek Nias, a lui déclaré que le thème de la conférence de cette année est l'un des sujets les plus importants qu'il convient de mettre en exergue pour les aborder, notant que la diversité des opinions en islam devait être un motif de tolérance et source d'enrichissement. Avant cet événement religieux, le Conseil des ministres s'était réuni hier, mercredi 11 septembre 2024, sous la présidence du président de la République, le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décret suivants.
le projet de décret modifiant le décret relatif aux attributions, à la composition et à l'organisation du Comité national de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le présent projet de décret a pour objectif de rendre plus opérationnel le Comité national de pilotage en le restructurant et en réduisant le nombre de ses membres de 20 à 13 pour faciliter ainsi la tenue de ces sessions. Projet de décret portant approbation du statut de la société Chain El Osra. Le présent projet de décret vise à ratifier les statuts de cette société conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret numéro 2024-075 du 15 mai 2024 qui prévoit la création d'une société nationale de communication audiovisuelle dénommée Chain El Osra. Le ministre de l'Économie et des Finances a pour sa part présenté une communication relative aux résultats définitifs du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et comme je l'annonçais au sommaire de ce journal, ce recensement a fait ressortir que la population totale de la Mauritanie en 2023 est de 4 927 532 habitants, y compris les étrangers, selon les données principales extraites du recensement général de la population et de l'habitat 2024, annoncé aujourd'hui, mercredi. Ce mercredi, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sidi Ahmed Wilbou, il faut rappeler que 10 ans plus tôt, le nombre d'habitants en Mauritanie était de 3 537 368, a précisé le ministre, selon lesquels les données recueillies sont un outil d'aide à la prise de décision dans l'élaboration des politiques publiques. Toujours au cours de son intervention, le ministre a révélé que les moins de 20 ans représentent 53%. Les femmes sont également légèrement plus nombreuses que les hommes. Elles représentent 51% de la population recensée. L'autre enseignement à tirer, c'est que la population en zone rurale a baissé car la majorité vit dans un espace où résident au moins 5000 habitants. Toujours dans ce chapitre du conclave des ministres et dans le cadre des commentaires faits par des membres du gouvernement, des résultats du Conseil des ministres, le gouvernement, par la voix de son porte-parole et ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hossein Wilmedo, a prévenu que le gouvernement ne fera aucune concession à ceux qui se rendraient coupables de mauvaise gestion, de corruption et d'abus des deniers publics. Il est donc de la responsabilité de tous de veiller à éradiquer ce fléau, a-t-il précisé, rappelant que c'est l'État qui met en place des mécanismes de dissuasion, mais aussi de sanctions. Non loin de ce sujet, le ministre est revenu sur la grosse quantité de produits alcooliques saisis dernièrement à la cité-plage de Nouakchott et estimée à plus de 6 tonnes. La valeur totale de cette marchandise prohibée est estimée à 130 millions de guillas, a précisé le ministre, selon lesquels la police nationale poursuit son enquête avec l'arrestation de la dame qui est soupçonnée d'être le cerveau de cette contrebande. D'autre part, l'Assemblée nationale a clôturé ce même mercredi soir à Nouakchott la session parlementaire extraordinaire consacrée à la ratification de la politique générale du gouvernement ainsi que de certains projets de loi importants. La cérémonie de clôture a été marquée par un discours du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Meguet, qui a rappelé à la nécessité d'œuvrer pour arrêter la guerre génocidaire menée par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien, qui a fait des dizaines de milliers de martyrs, de blessés et de disparus, dont l'incapacité de la communauté internationale de l'arrêter et de demander des comptes à ceux qui l'amènent. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM, M. Mohamed Zain El Abidine Ouli Cheikh Ahmed, a présidé mercredi matin au siège de l'Union
une séance de travail avec les membres de la délégation du groupe de la Banque mondiale en visite dans notre pays, conduite par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana, et le vice-président de l'Association financière internationale pour l'Afrique, M. Sergio Pimenta. Le président du patronat a évoqué le rôle important joué par le secteur privé mauritanien, représenté par l'Union nationale du patronat mauritanien, dans le développement du pays, les réalisations qu'il a accomplies et les perspectives prometteuses des relations de partenariat qu'il entretient avec le nouveau gouvernement. Ce qui s'est traduit par la reprise du travail avec lui dès la première semaine de sa mise en place. Il a souligné que ces relations se manifesteront dans de nombreux projets futurs, tels que l'organisation de zones industrielles, l'introduction de réformes et d'incitations pour les investisseurs nationaux et étrangers, ainsi que la création et l'innovation de lignes de financement en coopération avec les partenaires au développement, y compris la Banque mondiale et ses différentes filiales. Pour sa part, M. Sergio Pimenta a souligné le rôle crucial de la participation du secteur privé dans le développement et le rôle du secteur public dans la création d'un environnement favorable à l'investissement privé pour promouvoir un développement global et durable. Nous avons échangé sur les différents types d'interventions que nous pourrions avoir ici, comment augmenter nos engagements, augmenter nos opérations, avoir plus d'impact et collaborer notamment sur les questions de dialogue entre le secteur privé et le secteur public, puisque pour que le pays se développe, il faut que les deux parties de l'économie travaillent main dans la main et que le secteur public aide le secteur privé à avoir un cadre de travail où le secteur privé peut investir, peut créer de l'emploi, peut créer de l'activité économique. J'ai été très heureux d'entendre de la part du président que l'union du patronat a également étendu son champ d'action avec des interventions au niveau des jeunes, au niveau des femmes et je comprends aussi au niveau de la santé, au-delà des différents secteurs que vous couvrez déjà. Et je pense que c'est un développement très utile que nous voulons également soutenir. Mais avant cette rencontre avec le patronat, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, et Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale IFC pour l'Afrique, ont séjourné en Mauritanie du 9 au 11 septembre dans le cadre d'une visite visant à consolider les relations de coopération entre Nouakchott et les deux branches publiques et privées de l'institution financière internationale. Face à la presse, Ousmane Diagana a salué les excellents rapports entre la Mauritanie et la Banque mondiale BM, une collaboration de plusieurs années dont le résultat apparaît clairement à travers le portefeuille des projets proche d'un milliard de dollars US. Celui-ci couvre des domaines stratégiques tels que l'énergie. Le portefeuille du groupe de la Banque mondiale BM en Mauritanie est composé de 8 projets nationaux et 9 opérations régionales pour une enveloppe globale de 910 millions de dollars. Nous constatons effectivement que sur les dernières années, le taux de croissance de la Mauritanie a été robuste. En moyenne, il se situe autour de 6%. Donc c'est un bon indicateur, surtout dans une période qui a été marquée par plusieurs crises et souvent liée, bien entendu, à des chocs exogènes. Vous avez parlé des problèmes d'insécurité dans la zone. La Covid n'est pas encore très loin de nous. Il y a eu la guerre et continue d'ailleurs cette guerre en Ukraine, ce qui a impacté sur le coût de vie des populations. Et nous sommes également dans un contexte de changement climatique. Mais un taux de croissance, pour que ce soit réellement impactant sur les conditions de vie des populations, il faudrait qu'il permette à la création des emplois, à l'amélioration des services dans les pays et en même temps aussi qu'il puisse véritablement s'opérer dans un cadre où ceux qui doivent aller à l'école y aillent, y restent et acquièrent les savoirs dont ils ont besoin, etc. etc. Donc, à l'avenir, et je pense que la Mauritanie est très consciente de cela,
il faut créer les conditions d'inclusivité beaucoup plus fortes pour que c'est le ressenti des populations par rapport à l'amélioration de ces indicateurs macroéconomiques soit beaucoup plus visible. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est le portefeuille. La Mauritanie a connu par le passé des taux de décaissement faibles. Elle s'y est attaquée et aujourd'hui, elle fait partie en effet des pays où le taux de décaissement de programmes financés par la Banque mondiale est élevé et dépasse la moyenne que la Banque mondiale a déterminée. Quant à Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale IFC pour l'Afrique, il a évoqué les perspectives ouvertes par l'exploitation prochaine du champ gazier offshore transfrontalier Grand Tortue, Ahmeyim GTA, dans le cadre d'un projet commun entre la Mauritanie et le Sénégal, dont les petites et moyennes entreprises PME devrait pouvoir tirer un grand profit à travers un développement judicieux et intelligent du contenu local. Sur Mauritanie, ça tient avec le cadre de nos opérations pour voir par rapport à la Banque mondiale, nous avons une approche qui comprend l'Union à développer une ligne. Et un des actes très importants, notamment de promouvoir l'accès au financement, tout particulièrement pour les décisions de l'entreprise. Donc nous faisons à la fois des financements directs par un nombre d'entreprises de taille plus importante, mais nous sommes bien conscients que le développement du pays passera par un accroissement des activités des petites et moyennes entreprises et nous voulons les soutenir. Nous avons jusqu'à présent fait quelques opérations, par exemple, à travers des banques, donc de finance et lignes de crédit qui permettent aux banques de financer les petites et moyennes entreprises. C'est un axe très efficace parce que ça permet d'atteindre une population d'entreprises qui rompent et aussi de focaliser ce que l'on veut faire. Par exemple, dans les opérations que nous avons faites ici, nous avons demandé aux banques d'avoir un minimum d'opérations, un quart des opérations, qui sont pour les entreprises détenues ou gérées par le SAP, pour faciliter les opérations minoritaires. Toujours ce mercredi, un atelier tout aussi important et crucial de consultation est portant sur le plan d'action du HCR pour la Mauritanie 2025-2026, s'est tenu à Nouakchott. Organisé en collaboration entre le ministère de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local et le HCR Mauritanie, la consultation vise à créer un environnement durable et inclusif qui bénéficie à la fois aux réfugiés et aux communautés d'accueil et créer une prospérité partagée. L'atelier d'une journée rassemble des représentants des secteurs gouvernementaux des Nations Unies, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile actives sur le terrain. À l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local, Abdelrahman Oulid Hassan, a exprimé ce remerciement aux différents partenaires techniques et financiers, Union européenne, Banque mondiale, Allemagne, Espagne, France, Organisation des Nations Unies, pour leur appui constant à la Mauritanie. Le secrétaire général a indiqué que malgré les défis auxquels fait face la population locale, y compris l'afflux de nouveaux arrivants depuis 2023, le gouvernement mauritanien a renouvelé son engagement à aller de l'avant dans l'intégration des réfugiés dans le système national tel qu'exprimé lors des forums mondiaux sur les réfugiés en 2019 et 2023. Beaucoup d'opportunités et potentiel. Quand j'étais à Basikune la semaine dernière, je n'ai pas arrêté de parler de potentiel. On est conscient des défis et voilà, vous voyez un peu des images devant vous. Mais maintenant, l'année dernière, on a vu une situation très compliquée au Mali avec des mouvements importants des nouveaux arrivants, des Maliens vers la Mauritanie. C'est un mouvement qui continue aujourd'hui. C'est un mouvement qui n'est pas limité aux personnes, c'est un mouvement qui est aussi des animaux et des bétails. Maintenant, la population la population des réfugiés aujourd'hui, on parle de 260 000, ça c'est une estimation. Mais c'est une estimation qui peut être la réalité, parce que la situation au Mali est tellement critique, le niveau de violence est alarmant et des populations sont vraiment en fuite et ils trouvent en Mauritanie la paix.
On est consciente que cette présence de réfugiés représente un défi important pour la population locale. C'est une population, malgré tout qu'ils ont à offrir, qui est en train d'avoir un impact sur les ressources d'eau, sur les systèmes éducatifs. En ce qui le concerne, le coordinateur du camp de Mberra pour les réfugiés maliens, M. Mohamed Agmalha, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au gouvernement et au peuple mauritanien pour leur hospitalité et leur accueil des réfugiés maliens et d'autres personnes originaires de différents pays de la région du Sahel. Il a appelé tous les partenaires à aider la Mauritanie à supporter le fardeau de cette situation résultant de l'instabilité dans la région du Sahel. Mesdames et messieurs, le HCR a profité, comme je l'ai dit, avec les agences des Nations Unies. Ils ont profité de ce terreau pour donner de l'impact aux réfugiés, aux populations hautes dans la mesure des moyens qu'ils ont reçus. Et j'ai dit que la demande est plus forte que l'offre. Les ressources qui ont été mobilisées sont faibles par rapport aux besoins. L'année 2024 a été une année de choc. À la présence déjà des réfugiés qui sont là dans les Hauts-de-Charqui, région qui est sujette à des aléas climatiques, une région pauvre qui n'est tributaire que de l'élevage, il y a du fait de l'insécurité, pas seulement au Mali, mais dans tout le Sahel, un mouvement des gens qui cherchent où sauver leur vie. Et le cap de bonne espérance, l'Eldorado, c'est la République islamique de Mauritanie. Tout le monde fuit vers la Mauritanie. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel des titres. Le président de la République, Mohamedou Lechikh El-Ghazouani, a présidé ce jeudi au Palais des Congrès à Nouakchott l'ouverture de la 37e conférence internationale sur la sira du prophète, paix et salut sur lui. La conférence réunit un parterre de sommités religieuses qui plancheront sur la culture du dialogue, de la tolérance et contre l'extrémisme et le radicalisme. La population totale de la Mauritanie en 2023 est de 4 927 532 habitants, y compris les étrangers, selon les données principales extraites du recensement général de la population et de l'habitat de 2024. Durant commentaire fait par des membres du gouvernement des résultats de ce même conseil des ministres, le gouvernement, par la voix de son porte-parole Hussein Ould Meddou, a prévenu que le gouvernement ne fera aucune concession à ceux qui se rendraient coupables de mauvaise gestion. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à minuit ce soir ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Bonne fin de soirée. Au revoir.